Eh bien, salut à vous tous et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Fishing Planet pour l'avant-dernier monstre, donc au Congo. Donc, on va attraper des poissons chats, j'allais dire vendus, si on veut, et, ou girafes avec des têtes de poissons séchées, obtenir la ligne de poisson, ok, la moustache, accélérer le temps. Alors, ça, j'ai fait. Ça, au cœur de la nuit, rechercher le vieux bateau, je vais vous montrer où c'est. Et le crâne aussi, je vais vous montrer où c'est et acheter un foie ou un grand foie de poulet. Non, j'ai pas envie d'acheter le foie, Francis. Non, Hein. non. Donc, direction le fleuve Kango. Et bien sûr, en compagnie de Maggie. Excusez-moi, comment vas-tu, Maggie? Ben, elle va bien, merci. Je me Ben, de la dis, il m'a chance. oublié dans une barque quelque part là. Ben, c'est le mieux. Bon, ben, écoutez, les gens, donc, je crois que je vous ai montré. Alors là, j'ai pris une canne de mer. Hein. Là, j'ai pris du lourd parce que le poisson doit faire 100, au moins minimum 150 kilos. C'est un monstre. Donc voilà, je suis monté en gros en 70 kilos. Et pour les autres, je suis monté en. Le fil est à 36, 36 kilos. Voilà, j'en ai trois. Comme ça. Donc c'est avec ces têtes qu'on va les pêcher. Et après, il y aura un autre poisson qu'on pêchera. Donc, alors, ça dégage. Un hameçon, il va vous le falloir un dièse, un tout court. Le 4-0 que j'ai monté ici, sur les 3, voilà. Et ici, du 10-0. C'est bien du 10-0, ça? Ouais, impeccable. Avec le foie pourri que vous trouverez normalement sur la map, mais moi j'en avais déjà avec le DLC. C'est parti! I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Donc en premier lieu, quand vous allez arriver ici, vous allez spawn ici, hop, tac, et vous allez voyager. Vous allez comprendre pourquoi vous allez spawn là. Bon, ben moi je l'ai fait, donc malheureusement vous n'allez pas le voir, mais je vais vous le montrer. De toute façon, il faudra que j'y retourne, parce que si vous regardez bien ici, il y a un tam-tam. Et ça, on va devoir s'en servir. Donc là, ouais, dans les mains, c'est la canne en mer que je vais devoir, c'est une canne de fond, bien sûr aussi, que je vais devoir me servir pour le monstre. Et là, bien sûr, il faudra passer 2 nuits. Pour activer le bateau, c'est tout. Et après, quand vous allez passer le jour suivant, ça va vous dire tout simplement que comment? Attendez, si je fais ça, ça ira mieux. Voilà, et là, normalement, ça vous valide le truc quand vous arrivez par là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais me TP au bateau. C'est l'actuel USI. C'est parti. Là pour le crâne, et là où on va pêcher, on va commencer par bien sûr les poissons chats vendus ou girafes. Alors attendez, faut que je mette le GPS sur mon bateau, sinon je vais me perdre. Ok, comme ça je vous montre la tête de mort. Alors le problème qu'il y a, c'est que vu que je l'ai déjà chopé tout à l'heure, je sais pas si je vais la retrouver. Si. Ouais, je vais la retrouver. Donc normalement vous arrivez ici. Donc regardez bien où je suis. Hein. Mais je pense que de toute façon ça vous est indiqué sur la map. Donc vous descendez. Normalement elle est ici. Et moi, ben, comme je vous ai dit, j'ai tout simplement déjà ramassé. Maintenant on va aller sur le premier spot de pêche. Putain de boule bois de merde. Seigneur. Ah ouais, j'ai tapé dedans comme un gland. C'est mieux, hein? Ouais, si tu veux. Alors là, regardez bien, on va pas aller trop loin. Une fois que vous avez ramassé la tête ici, vous allez juste avancer un peu. Et vous allez vous mettre par là. Et là, vous êtes pas trop mal. Je peux m'amarrer ou je peux pas m'amarrer? C'est impeccable. Ok. Et donc une fois là. C'est très simple, là vous avez dû voir sur le roadpod. Hein. Ici on va pêcher dans le creux là. Et bien sûr avec pas la canne que j'ai dans la main, on s'en servirait tout à l'heure.
On va te poser, on va le poser ici, il est bien. Cette mission, normalement, devrait être faite assez facilement. Donc, Ouais. la canne 1, voilà, 4-0, un plomb et crâne de singe, et un plomb de... Ouais, crâne de singe, ok. Et la tête de poisson séchée. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Donc, les gens, j'ai un poisson, je sais pas ce que c'est. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'ils m'ont dit d'aller acheter une larve, je sais pas quoi, mais en fait, on n'en a nullement besoin. Donc je comprends pas ce que c'en est un ça. Non, c'est pas le bon. Ouais, j'en ai attrapé un. Ah oui, je vois C'est ça qu'il nous faut. la ligne. Hop, on voit là-dedans. Bon ben encore 5 hein. Bah ouais. Merde, j'aurais dû mettre une. Attends, je vais mettre une boule. Allez, hop. Ouais, il était vraiment pas trop loin. Hein. Alors, à savoir que j'ai pris des grosses cannes parce que tout à l'heure je suis tombé sur un poisson énorme là et j'étais en 15 kilos. Et franchement, c'est pas le mieux là. Vous allez galérer longtemps, longtemps. Donc, autant prendre. Là, j'ai dit, je sais même plus à combien j'étais, mais enfin, j'avais vu en début de vidéo. Et... Je pense que c'est le mieux. Est-ce que ça en est un autre ça? Ouais, deux. Impeccable. Ben ouais, ça va assez vite. Alors, je vais juste remettre une bouée pour bien savoir où se situe le bordel. Oui. Putain, il était loin lui, oh. Bon, on va aller chercher là-bas, hein. Ben ouais. T'en as un autre, ça, non? Non. Non. Ah, le bon. J'en ai attrapé un, il compte, mais il est microscopique. C'est combien? Ouais, c'est un poisson truc girafe. Bon. Ouais. Bon, par contre, il a pas un long cou, hein. Ben, Bon, lui, il a non. montré sa tête là-bas, il est pas dégueulasse. Ouais, je sais pas si c'est pas un Africain celui-ci. En même temps, t'es au Congo. Elle est un brave petite bestiole. Donc je sais pas si vous pouvez le faire spécialement de nuit. Non, ça sert à rien d'épuiser, ça sert à rien, ça sert à rien. Range ton épuis. Maintenant c'est un combat, hein. Ça change de registre. Et une girafe de plus. C'est bon ça. Hey, ils sont pas vilains comme bêtes. Hein? Que 4 sur 6. C'est un peu plus gros ça. C'est pour ça, comme je vous disais, les gens, les bottom snipers à 15 kilos. Il faut éviter Francis, hein, parce que la galère, celle-là, elle fait le double là. Bon, c'est pas comme la vidéo d'avant où il y avait un timer, mais. Je viens de sortir le poisson rapidement. Je sais pas si c'est un bon celui-là. Ça c'est que tout à l'heure j'ai passé 10 minutes à sortir un poiscaille là de. Enfin, qui faisait presque 40 kilos. Ouais. Ouais, c'est pas le mieux. Hein. Ouais, je sais pas si ça n'est pas un ça. Non, j'ai un doute. Non. Là, j'ai relancé le beau fond. Ouais, vu le poids de celui-là, il y a peut-être moyen que je l'ai bon. Ou pas. Là, sur l'eau, il fait à peu près comme l'autre. Vous savez, il me reste 30 têtes de poiscailles séchées. Donc, ils peuvent en manger quelques-uns. Il me manque deux à choper des autres. Après, je n'en ai plus besoin. Cinquième, 20 kilos, un 21. Bon, ben plus qu'un sur cela. Là, la première bouée va très bien. Choper les deux dessus. Donc, vous voyez, vous mettez sur le bout là, et puis vous jetez par là. Ah ouais.
Vous serez pas mal. Ouais, j'avais toutes les quêtes de partir. Pas le temps de m'absenter 2 minutes. Ouais. Et voilà le dernier, impeccable. Je vais quand même attraper celui-là. C'est pas le bon, Francis, hein? Ah. Ben non. Ah non, c'était pas la bonne canne que j'ai prise. 36 moulines pas plus vite. Voilà, donc vous avez ce spot là, les gens. Et après, on va partir attraper les petits pourpres. Ouais. Avec des asticots vémineux. Eh oui. Ok, impeccable. Bon, ben, je replie ça et on se retrouve de suite. Alors là, les gens, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va se TP ici. Boum. Ouais, pour la petite. Et allez. On va se mettre là. Par contre, on va passer 2 jours parce que la nuit, j'en peux plus. Attends, le matin suivant. Ah! Il faut pour ave. Prolongé, impeccable. Ben donc, ouais. Inventaire. Et là, du coup, on va enlever les grosses têtes, là. Et mettre les petits asticots. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a qui va pas là? Ah oui. Il me semble de Diozing, ok. Diozing, ok. Les asticots. Les asticots, c'est rigolo. Ouais. Et là, on va empoisonner les poscailles. En fin de compte, il a eu peau quand même. Bien. Ouais, moi, je pensais qu'il fallait que les têtes, mais non. Non. Voilà, on va mettre juste le redpod ici. Vous voyez où je me suis TP, là, c'est pas des kilomètres. Et là, bah, vous allez lancer là. Juste devant. Pas plus loin. Ça sert à rien. Bah non. Là, il en faut juste 4. Après, c'est voilà, parti, lui. Attends, c'est quoi qui est au bout, lui? T'as déjà pensé à aller avec un seau plein de trous dedans pour les attraper comme ça, non? C'est pas le bon, mais... Bah non. Peut-être ça, c'est tout petit, non? Ouais. Ah là, c'est pas le bon, hein. Voilà. Donc regardez comment ces poissons sont magnifiques. Ils sont super beaux. Là, je lance trop loin, là, faut vraiment les mettre beaucoup plus proches. Ok, bah, il y en a un autre. Ah bah non, c'est mon bouchon. Quel con! Avec la couleur, j'y ai cru. Ah, je crois que j'en ai un autre. Yes, ça y est. Bon, ce que je vais faire, par contre, les gens, c'est ça. Voilà, comme ça. On voit qu'il est vraiment pas loin, le bordel. Et... Oui, en fait, je disais mon bouchon, mais non, c'est mon plomb. Ouais, vous jetez là. Ah, juste... J'ai même jeté un peu loin, mais bon. Ils sont dans le coin. Le marrant, c'est que j'attrape plein de poissons depuis tout à l'heure que je connais pas. Oh. C'est long. Bah, tant mieux. Au moins, ça fait. Bah ouais. Des XP ou je sais pas. De l'XP, je crois pas, parce que vu les cannes que j'ai, mais. Ouais. Ah. Ça aussi, je le pêchais pas. Même si il a de la gueule, là. Ouais. Ah, voilà un autre. Magnifique poiscaille. Ah, ben. Par contre, les gens, vous avez intérêt à avoir assez de. Plastico vémineux, parce qu'il y a un paquet de poiscailles qui aiment ça. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, comme celui-là là. Lui il a la dalle. Il y a aussi un poisson, une espèce de poisson chat avec les yeux bleus là. Ouais. Ah lui il te racle tout lui. Un viandard le bordel. Ah ouais, il a la dalle. Et puis lui aussi. Allez, je crois quoi. Bah non, c'est pas le bon.
Ah, tu veux rire? Je l'ai attrapé sur le dernier. Non, t'es sérieux? Ouais. Oh, t'as du bol alors, hein? Ah bah voilà, oui. Waouh. Ben tant mieux, tu diras, parce que au prix où tu Bah en ouais, avais. sinon j'aurais dû en racheter, quoi. Ben ouais. Bon, Bon. t'es riche, ça va. Équiper un foie pourri. Un plan crâne de singe. Ah ouais, il faut un plan crâne de singe. Attends, j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu? Je l'enlève. Je le remets, c'est bon ou pas? Ah, t'as peut-être plusieurs crânes de singe à ramasser, non? On a équipé un foie pourri. Une ligne moustache. Ah, c'est quoi ça encore? Une ligne moustache? Voilà. Ça fait 36 kilos, seigneur? Oh purée. Eh bien, je vais l'équiper sur une comme ça. Ben ouais. Ben voilà. Ouais, ben du coup, en fait, mon autre canne ne sert à rien. Non. Donc, ce sera la 3. Ah oui, donc, faut attraper à tout prix ce poisson. Ok, avec une petite canne, quoi. Ouais. Ouais. Attends, et je cherche. Là. Il est bon là. Voilà, bon, ben, je suis prêt à crever. Attraper le tambour à l'emplacement du village et pendant qu'il sonne, attraper le monstre. Ok, ben, c'est parti. Je suis arrivé au tambour. Dépose-moi la moule à gaufres. En fait, ils vont faire un sacrifice, ils vont me buter. Par là, cette bestiole. Est-ce qu'il faut pas le faire de nuit? Ou le soir? Non, il est là. Hein? J'ai jeté à l'autre bout du pays, quoi, quel gland. Laisser par là. Et puis bah, je vais prier, quoi. Oh, il est là. Nom de Dieu. J'ai le baleinier. Ça va, je viens d'attraper dans l'épuisette. Non, je déconne. J'allais dire, encore Bah là. ouais, ce serait trop. Il y a un brachiosaure là. Je pense que tu vas t'amuser. Ah ouais, putain, par contre, il est balèze, hein. Il a des trucs bizarres, mais il est beau. Oui, il est beau, il est bien brillant, il est. Ouais, il est beau. Vais pas monter dans l'épuisette en 2-2 là. Je pense pas. Est-ce qu'il rentre dans l'épuisette au moins? Pense pas. Attends, peut-être que. Ouais, je vais le gruger, je vais le gruger. Allez hop, épuisette, terminé. Dans l'épuisette? 153 kilos. Oh putain. Oh, il est énorme. Non, tes yeux qu'il est beau. Par contre, il est beau. Et il est magnifique. Oh, c'est délire, toi. Avec toutes ces antennes et tous ces trucs-là, ça fait quand même. Ouais, ça fait un beau poisson, hein. Ouais.
Mais ça a été rapide. Il fait un peu dragon. Ouais, je l'ai grugé le Posca, il n'a rien compris à la vie. Ouais. Bon, bah allez, casse-toi. Ouais. Ouais, dans la bruche, ma couillasse. Apportez le monstre capturé au vieux Vague fantôme pendant la nuit. On va faire ça tout de suite, Francis. Bah ouais. Pourquoi je dois toujours tout faire? C'est dingue ça, ils peuvent pas venir le chercher. Pourquoi le faire soi-même quand quelqu'un d'autre n'est pas à ta Mais place? à l'aise, une honte. Ben non. Ah bien sûr que si. Ben non. Allez, prends-le, ton poste a éclaté, figure d'angoisse. Terminé. Il est Le comment? cas, magnifique poisson. Oh Donc oui. là, maintenant, ça va jouer différemment sur, mais sur le dernier poisson qu'il va y avoir à faire, bien sûr. Japon. Ça va être, ah ouais, là, ça va être, ça va pas être la même, là, je crois. Là, je C'est crois qu'il s'appelle le Kraken. un kraken, si c'est comme Ben, dans les c'est un films, genre de truc dans c'est le mort. genre. Ouais. Une grosse pieuvre, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, pour ici, c'est fini. Bon, mais Voilà. c'est parfait. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin du tout de vous équiper de celle-ci. Moi, je pensais qu'on pouvait. Enfin, vous pouvez mettre le pull dessus, ça va fonctionner. Mais Ouais. non, en fait, vous prenez les trois. Et puis, quand vous avez fini, ben, vous équipez ce machin. Quand il est content, il va le bouffer. Vous allez être content parce que vous avez fait un beau poisson, etc., etc. Du En fait, coup, deux cannes, c'était suffisant alors. trois. Trois, ouais. Et bon, bah, du coup, c'est ici qu'on se laisse. Donc, je remercie Maggie d'avoir été là. Merci à toi. Ben, merci à toi. En espérant, comme d'habitude, que ça vous a plu et que surtout que ça vous aidera. Si c'est le cas, mettez un schtroumpf. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Et bye bye. Ciao. Ciao.